Aujourd'hui, je vous parle d'un sondage, non pas une enquête pour savoir combien de points a perdu la cote de popularité d'Emmanuel Macron, ni un sondage pour savoir si TPMP marche mieux que le Big Deal, mais un sondage sur l'évolution de la vie sexuelle des roues depuis la montée en puissance du chanteur et parfois acteur dans Game of Thrones, Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. Alors attention, cette enquête c'est du sérieux, un échantillon de 175 roues a été utilisé, vous imaginez un grand rassemblement de roues comme ça. Grâce à cette enquête, on apprend que 20% des hommes roues âgés de 25 à 34 ans recevraient plus d'attention de la part des femmes grâce à la montée en puissance d'Ed Sheeran, on sous-entend que les hommes roues font plus d'amour désormais. Pour aller plus loin dans ce sondage, on a aussi interrogé 1000 femmes et 5% d'entre elles se disent attirées par les roues, car leur charme de rouquin fait penser à Ed Sheeran. Quand on sait que seulement 1 à 2% de la population mondiale est rousse, ça fait un gros ratio, les roues doivent vraiment s'éclater depuis. Ces 1000 femmes ont dû faire aussi un classement de leurs roues préférées, les plus sexy en gros, et surprise, Ed Sheeran n'est que numéro 4, le numéro 3 c'est Damian Lewis de la série Homeland notamment, le numéro 2, je ne savais pas qu'il était roux lui, Ewan McGregor, et grande surprise, le numéro 1 de ce classement, c'est le Prince Harry, le roux préféré de ces 1000 femmes. Certaines études affirment aussi que les roues sont génétiquement supérieures, et qu'être roux apporte forcément la réussite, alors cette règle contient forcément une exception, la chanteuse La Rousseau dont la réussite fut plutôt éphémère. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit avis, une petite info supplémentaire, une petite erreur que j'aurais pu faire. Me dire si vous aimez ou détestez Ed Sheeran. Moi, j'aimais beaucoup, je commence à le détester à force de le voir et de l'entendre partout. Et big up à tous les roues. Moi, j'adore les roues. Hein, pour ceux qui me connaissent un peu, vous le savez, bah, vraiment. C'est une passion. Enfin voilà, je les trouve trop belles. Et bah, les roues et les roues sont de plus en plus de succès. J'ai envie de dire, tant mieux.